أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، واهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. La suite, inshallah, la fin plutôt de l'histoire de Sayyidina Hamza, qu'Allah soit satisfait de lui. نهايه ou بداية لأن الشهداء لا يموتون, les martyrs sont éternels, donc sont dans l'éternité autour du trône d'Allah Azza wa Jal. في حواصل تير خضر حول العرش, يعني حياة أبدية. La mort de Sayyidina Hamza représentait une perte importante pour le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. خسارة كبرى موت سيدنا حمزة لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Il avait durement été frappé par cette tragédie et le consoler était difficile. Il avait durement été frappé par cette tragédie et le consoler était difficile. يعني مصابه كان جلل وتعزيته صعبة صلى الله عليه وسلم. Mais le destin allait consoler le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le destin toujours, subhanallah, pense les blessures. L'oublie, subhanallah, c'est un soldat d'Allah. Jean de Mejounou de l'air, ismouhou, anessien. N'aime. Mais le destin allait consoler le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la plus belle manière. Bien sûr, le destin est parfait. Les gens pensent que le destin est imparfait ou il manque quelque chose ou bien pourquoi comme ça. Bien sûr, parce que nous sommes ignorants. C'est ça la difficulté de la sabre. La difficulté de la patience, c'est ça. Je patiente, mais jusqu'à quand et pourquoi? Non. Il faut voir tout. Sayyidina Moussa, il a reçu des informations, mais il a posé des questions toujours. Donc. Et à la fin, il n'a pas patienté. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, si seulement Sayyidina Moussa a patienté. Donc il a donné quelques réponses. Mais le destin, comme on a dit, ton destin est lié à mon destin. Il y a le destin d'un Australien. Il y a le destin d'une fourmi, d'un papillon, d'une goutte d'eau, du lac de l'aimant, de tout. Donc c'est un tissu, c'est un tapis qui bouge ensemble. Avec des nœuds, et les nœuds sont liés. Donc, tu ne peux pas défaire un nœud et laisser. Tout est bien noué. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Donc là, le destin pense. Alhamdulillah. C'est pour ça qu'il faut avoir la remise confiante en Allah et avoir le lâcher prise. Tawakkul Allah, la remise confiante en Allah. Tu ne peux pas comprendre le destin sans contempler la table gardée. قبل أن تطلع على اللوح المحفوظ. ومن اطلع على اللوح المحفوظ. En effet, on rapporte que sur le chemin, peut-être ces quelques mots peuvent nous apaiser. En effet, on rapporte que sur le chemin du retour, le messager de Dieu passa, sallallahu alayhi wa sallam, passa après, je répète parce que j'étais un peu perdu dans la question de Mukhayr al-Musayr. Est-ce que l'homme est Mukhayr al-Musayr? Dans le monde de Sharia, l'homme
et Mukhayr et Musayr dans le monde de la réalité, l'homme et Musayr. En effet, on rapporte que sur le chemin du retour, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam passa près d'une femme des Bani Dinar qui avait perdu son père, son époux et son frère dans cette bataille. Elle a perdu qui? Son père, son époux, son frère. En voyant les musulmans revenir d'Uhud, elle se précipita vers eux pour leur demander des nouvelles de la bataille. C'était alors qu'on lui annonça la mort de son père, de son frère et de son époux. À la surprise de tous, elle leur demanda alors avec anxiété. Elle leur demanda avec anxiété, et qu'en est-il du messager de Dieu? L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une obligation. C'est plus qu'une obligation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après Allah azza wa jalla, c'est tout. Tout est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah. Et rien d'autre. Et rien d'autre. À la surprise de tous, elle leur demanda avec anxiété, et qu'en est-il du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam? Les combattants lui dirent, Dieu merci, il est sain et sauf. Elle dit alors, montrez-le-moi, que je puisse le voir de mes propres yeux. Vous voyez l'amour, le degré de l'amour? Les mots n'ont pas apaisé son cœur. Ils attendirent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passe près d'eux. En le voyant, elle se précipita vers lui et puis dit, « Tout malheur m'est supportable tant que tu es sain et sauf. » Un degré très haut. « Tout malheur, facture, perte d'un ami, d'un proche cher, tout malheur m'est supportable tant que tu es sain et sauf. » Un degré très haut d'amour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus cher chez cette femme que son époux, son frère et son père. Son père et son père. Elle a perdu les trois ensemble. C'est de la fiction aujourd'hui. Il ne fait aucun doute que sa réaction et ses propos ne pouvait que consoler définitivement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne fait aucun doute que sa réaction, kullu musabin min wara'ika aw dunaka jalal bima'na haqir faqadat zawjaha wa abuha wa abaha wa akhaha qalat wa madha sana rasulullah qalu laha hayyun yurzaq bi khayr qalat دعوني أراه حب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من فرض عقيدة c'est un dogme l'amour du prophète صلى الله عليه وسلم qui te guidera vers le prophète صلى الله عليه وسلم celui الصراط المستقيم celui le droit chemin tu vas suivre qui quel chemin chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne fait aucun doute que sa réaction et ses propos ne pouvaient que consoler définitivement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être même qu'il a souri face à cette attitude extraordinaire et exceptionnelle qui n'a pas de pareil lorsqu'on parle de dévouement, de loyauté et de sacrifice. Une femme faible et humble qui perd son père, son frère et son époux en l'espace d'une heure et qui, en apprenant cette nouvelle douloureuse, ne trouve rien d'autre à dire que « Qu'en est-il du messager de Dieu ?» sallallahu alayhi wa sallam.
lorsque je suis touché par un malheur, j'essaie de dire Kullu musabim wara'aka ou khalfaka ou dunaka ya Rasulullahi jalal. Tout malheur m'est supportable tant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sain et sauf. Nous espérons arriver à ce degré d'amour envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est bien de savoir la distance qui nous sépare de ce degré. C'est bien de savoir, de faire le diagnostic. Mais comment atteindre ce degré, sachant qu'à l'époque, il pouvait le voir en fait, il pouvait le côtoyer. Avec le cœur, il le voyait avec le cœur. Ce qui est possible, bien sûr, après son trépas. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était visible. Selon que le voyait, Abu Lahab. Mais la vision physique ne vaut rien. Aide si le cœur est clairvoyant. Allah, il est partout. Les signes d'Allah. Le soleil, il est là. Mais ce que nous voyons, le soleil, différemment. Comme l'a dit Faustina. Tu entends ces corneilles, il m'a dit. J'ai dit oui, Faustina, j'entends ces corneilles. Il m'a dit, je l'entends différemment. Un livre, on peut l'écrire intitulé différemment. C'est ça ce qu'on cherche. Arriver à voir l'océan derrière le point. Derrière les atomes. Derrière chaque atome. Ce qui s'est passé là-bas, c'est un bien. C'est une beauté. Enveloppé par la laideur, par les malheurs, par le son. Qu'en est-il du messager du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ce fut un événement, c'est pas moi qui ai dit ça, c'est la surat la caverne. Rahmatan min rabbik wa ma fa'altu an amri. Dhalika ta'wilu ma lam tasta' alayhi sabra. Il a un peu facilité. Avant c'était tasta'. Après il est devenu tasta', mais ça reste toujours difficile à comprendre. Le destin est très difficile. C'est pour ça que c'est un pilier de la croyance. Rukn min arkan al-iman, iman bil qadar. C'est très difficile de croire que ce qui s'est passé est un bien. Ou bien, si encore, c'est une miséricorde d'Allah. Je ne justifie pas, bien sûr, je suis contre. Et c'est blâmable. Mais le côté caché. On ne sait pas maintenant. On ne sait pas encore. L'État, peut-être. Oui, oui, il y a des gens qui savent. Les clairvoyants peuvent savoir. Ça dépend des voiles, l'épaisseur des voiles ou le nombre des voiles. Qu'en est-il du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam? Ce fut un événement. Dans cette bataille, un groupe de 300 hypocrites ont abandonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le tiers de l'armée. L'entière. Ça ne veut rien dire, la présence physique, voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je risque d'être avec eux. Je peux être hypocrite avec eux. Non? Tout est possible. Et jusqu'au dernier souffle, on risque de changer de camp. Donc, Allahu alam, on doit rester toujours vigilant. Qu'en est-il du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam? Ce fut un événement que le destin du prophète. Il y a des gens qui ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient croyants et qui ont abandonné la religion aussi. Qu'Allah nous donne un cœur sain et pur. Ça, c'est le plus important. Ce fut un événement que le destin du prophète, de Dieu, avait planifié avec perfection. Regardez les clairvoyants. Il a dit, c'est un destin. Et le destin est parfait.
mais nous sommes imparfaits, nous sommes des enfants, nous sommes incapables de comprendre. Afin de consoler son messager. Donc ce passage à côté de la femme, subhanallah, n'était pas une coïncidence ou un hasard, n'est-ce pas? Combien de fois, lorsque nous comprenons, on dit « Ah, c'est pas du hasard », mais il n'y a rien de hasard. Il n'y a rien. Votre position, tout, le frère qui marche, les atomes ici, tout est bien orchestré. Tout. Pour Allah, l'exemple sublime, bien sûr. Mais maintenant, quelle est l'équation qui gère l'univers? Einstein. Il est incapable. Toute la sagesse humaine, depuis Adam jusqu'au dernier homme sur cette terre, toute cette sagesse est incapable de comprendre une goutte de cet océan qui s'appelle la sagesse divine. Hormis, bien sûr, la sagesse des prophètes, surtout, bien sûr, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce fut un événement que le destin de Dieu avait planifié avec perfection afin de consoler son messager de la mort tragique du lion de Dieu et du prince des martyrs. Voilà avec ce mot qui peut nous consoler aussi. C'est du hasard? Non, il n'y a pas de hasard. Nous lisons, voilà le post-it, on parle des martyrs, c'est 49, Inch'Allah sont des martyrs. Et leur prince chez Sayyidina Hamza. Et on a fini son histoire. Il a attendu un petit moment Sayyidina Hamza pour accompagner ses amis. Il est guidé, Inch'Allah, al-Firdaus. Un autre voyage, une autre vie. Et aujourd'hui, j'ai reçu une visite des gymnasiens et gymnasiennes. J'ai dit, il faut vivre pour la quête du bonheur. J'ai dit, vous vivez pourquoi? Après, j'ai dit, il faut vivre pour la quête du bonheur. C'est difficile. C'est difficile. Mais c'est ça la vérité. Tout le monde cherche le bonheur. C'est vrai ou pas? Consciemment ou inconsciemment? C'est vrai ou pas? Vous êtes d'accord? Mais chacun son bonheur. Et si je vous dis, j'ai le bonheur, vous allez venir vers moi. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le bonheur, c'est ça. Il faut aller vers lui. C'est simple. C'est simple. Pourquoi tu cherches ailleurs? Il y a des gens qui suivent l'autre. Subhanallah. Abdullah ibn Mas'ud, le premier à avoir psalmodié le Coran à haute voix. Le pire à avoir, le bonheur est dans la prière. Le bonheur est dans la prière. Le problème de l'homme aujourd'hui, le pire ressentiment, c'est quoi? Quand tu entends quelqu'un qui te dira, la vie n'a pas de goût. Ça fait mal. Hein? Tu vois la falaise. Tu vois. Donc la prière nous donne. C'est la perle de ma vie, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est le goût. Qurratu ayni. C'est la perle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah qu'Allah nous donne une goutte de cette perle. Inch'Allah. Le premier, le goût de la vie. Le premier à avoir psalmodié le Coran à haute voix, la valeur du Coran. Donc il a mis l'accent, Sayyidina Khalid, Muhammad Khalid, sur la psalmodie du Coran.